Alors, dans la game, on a Cassio dans Cassante. Cassante va weak set cette game. Cassiopeia, en fait, ça va full, ça va perma push top. En plus de ça, ça kill pressure et possibilité, un peu à la Illaoi Level 6, de facilement faire des 1v2. Donc, on veut pas du tout jouer sur ça. C'est la Niantic top, on veut pas y aller. Contre Zac, tu vois, t'as pas envie. C'est pas un pick dans lequel tu peux invade, tu vois, agresser. San Diego, t'as pas trop envie de faire ça, mais dans tous les cas, Zac, c'est pas un perso qui est t'as vraiment envie d'invade tout ça. Ouais, il va se faire vraiment arracher au mid par Irelia. Mid, c'est plutôt. On ne veut pas jouer de 2v2 mid, on les perd absolument. Donc mid, c'est vraiment. On n'y touche pas. On a juste envie qu'il pipou chill. Et en vrai, c'est bot. Si bot, si Samira arrive à prendre des kills, c'est que la game peut être weed encore. On va voir hein, comment on va faire, mais. Cette draft me... Leur draft me paraît vraiment chiante et vénère. Bot se font push, bah après c'est Midio-Zeri quoi, donc vous pouvez s'y attendre, même si Vel'Koz fait Samira, c'est pas trop de range. Pour l'instant, le clear, se passe tranquillou. On va juste full clear, j'ai aucune lane qui risque de se faire gank là en vrai. Ils sont tous push, je joue contre un Zac, il va pas forcément, il va pas mid-vade normalement. Bah, c'est pas connu pour ça en tout cas, Zac. Oui, tu peux ping à santé que tu veux jouer, mais je suis pas là. Hein. Bon, on va déjà le mute Cassante parce que je sais déjà ce qu'il va faire. Hein. Oh! Pire wesh. Bon, après, bon, je dis ça du coup à la pression que je dis de la merde, mais en gros, si Cassante allait mourir à timing là, ça allait m'insulter, tu vois. Et ok, il y a Zac qui récupère un kill. Ok. Laissez la Waybones back. Lui, il a commencé bot, Zac. C'est ok. On rappelle que les 2v2 mid, on veut pas les jouer. On va ping ça. Et j'irai gank bot et flash in peut-être le Omnidio. Ça me paraît être une bonne idée de flash in Omnidio. Ouais, ils ont cancel, c'est cool. Bon, Cassante est un monstre. Ça, c'est de la chance. Ça, c'est aléatoire de vos games. Moi j'ai de la chance, j'ai un Cassante qui massacre son vis-à-vis alors qu'il est weak side. Ah oh, il a ouais. Bien. Oh dommage. Ouais, tu me. Ben ouais. Dommage. Ça m'irait un peu troll, mais c'est ok. C'était attendu ça. J'ai pas assez, ok, c'est bon. Irelia sur sa lane, c'est important qu'Irelia, je la vois sur sa lane. Sinon, ça aurait pu chercher un invade avec Irelia, et malheureusement, j'aurais dû give toute ma jungle topside. Et je vous avoue que bah, j'aime pas trop give toute la jungle topside. Ah, Kerker, c'est un peu bizarre votre move, je trouve un peu deep. Ok, j'aime bien, ça passe, j'aime bien. Ok, bon. Après, on aime bien. Je sais que Samira. Il y a un pote ADC qui m'avait dit qu'en gros, Samira, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un champion qui aime bien. Genre, si elle meurt, mais pour prendre un kill, c'est fine, tu vois. Le Viego doit te... Le Zac, il doit tellement avoir les boules. C'est un peu risqué. Fire out. Pas loin. Et où Samira? Ok, là. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, j'arrive, j'arrive. Ok, ça, c'est vraiment failli. Un peu deep ce qu'ils ont fait alors qu'on avait Samira. Bon, maintenant Samira est feed, les gars, donc la game c'est plus trop la même. Hein. Ok, moi j'ai mon Kraken, j'aime bien. Voilà, c'est ce que je parlais. C'est le moment où tu dois pas grip ta wave. Ouais, pour un, mais c'est pas ouf. Hein. On l'a fait 1v2 après, mais bon.
Vas-y, là. Je mets bien mon gars. Ok, Zach. On a vu Zach qui est pas là. Lors de game, on force pas trop les moves, on joue ce qu'il faut et c'est fine. Ouais, ça je joue, j'aime. Ouais, tu as un peu. Loin. C'est loin, mais c'est ok. Ah, top là par contre. Oh, paf. Oh. Cassanté. Ouais. Donc Cassanté, le champion qui, Weakside, ne meurt jamais, qui tue en 9v1, que. Paf. Pas dommage. Ouais, air out. Flash out. Oh. C'est ok. C'est vraiment ok, elle a plus d'ulti. Ah ouais. Et tu. Voilà, t'as fait, hein? Voilà, t'as fait. Ok. On va jouer Drake plutôt, du coup. On a à choisir, hein. Oh. Ok, c'est très bien joué. Ouais, allez. Ouais, c'est un super champion. Voilà pourquoi, les gars, je n'aime pas Zach. Dur, dur, dur. Si tu m'offres un reset à la limite, mais. J'ai pas le reset direct, c'est tellement dommage. Je le one-shot pas. Si je prends le reset derrière, je peux heal Kassanté. Oui, allez. Eh oui, règle numéro 1 des laners, je suis nul. Allez, on mute. Je suis nul, donc on va spam, on va dire que c'est la faute du jungle. C'est le mec, ça fait. Depuis que l'Emerald est là, ils sont bloqués Emerald. Ils n'arrivent pas à dépasser le Emerald 3 et après ils sont en mode. Mais attends, mais c'est toujours la faute de mon jungle. Ça fait 3 ans que je suis bloqué en Emerald. C'est pas du tout mon niveau qui fait que je perds. Ouais. Oh. Ah, oh, j'ai loupé mon R, j'ai trop mal joué. Oh, ouais. Oh. On se casse, hein? Ouais, par contre, ça c'est cheaté. Vas-y, qui revient. Vous avez vu ou pas? Je savais pas que pendant cette animation existait. Si tu E Zac et que Viego enlève son reset, tu continues à sauter avec Viego. C'est ok, je savais pas, c'est drôle. Je peux jouer la brontre. Elle nous avait deux pas. Vas-y. Ouais, bon. Les persos de con, c'est. Pas je veux qu'en vrai, j'ai pas envie de jouer de Irelia. C'est my bad. Te plaît, Waves. Voilà. Utile, utile. C'est le mot que je peux te donner, c'est soit utile, s'il te plaît. Non, courez. Ta flash. Voilà, c'est très bien. Elle a troll Cassio. Ouais, bah, disons, champion qui a sauté me dégoûte. Non, mais qu'il soit pas un mort dans ce timing-là, c'est fou quand même. Mais tellement con de faire ça à ce timing-là de la game. Et mon quoi. Ouais, bah.
Ouais, faut voir pour. Ok, c'est pas mal. Vas-y, yeah. Suis-moi, toi. Voilà, non mais oh, vous voulez que je vous apprenne à jouer Viego? Moi, je vous apprends à jouer Viego, nous sous ça. Comme ça, c'est comme ça qu'on win les games. C'est comme ça qu'on win les games. Après, faut faire attention parce que. Lorsqu'il y a une ligne. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. Ouais. Ouais, c'est vraiment faux. Mais ça va ton champion. La chenou, la grappe. Ouais, attends, je peux venir, hein, ouais. Si tu ouais. Ouais, alors faut m'aider, faut me donner un reset là. Voilà. Alors, là par contre maintenant. Ok. C'est ok, c'est ok. Non, un reset, c'est sa part, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez vu, je l'ai collé à moi, je me sentais mal. Et je dis, il me faut un reset là où c'est la merde. Hein, dans le fight, mais heureusement qu'elle a tué Irelia. Samira, parce que derrière, bah, ça libère. Ils vont pas le faire, mais je préfère se péter contre Cassante au top. Mais ouais, je pense faut pas. La gagnera pas besoin de tenter. Hein. Vraiment, on te demande pas tant, hein. Je sais pas pourquoi il s'obsède à vouloir la 1v1. On te demande pas de la 1v1 qu'à santé dans la game là. J'arrive, Kerr, s'il te plaît. Estimé. Bon, je pense que vous avez senti ma détresse là sur ce fight, et c'est tout à fait normal, j'étais en crise de détresse. Ah, son perso de fou malade à la Irelia, j'ai pas réussi à la tuer. Vous imaginez que j'ai pas réussi à la tuer alors que c'est 30% HP, j'ai pas réussi à la tuer. J'ai loupé mon R, après R Irelia, elle peut dodge avec ses Q, donc bon. Juste ça après vous. Ok, maintenant on se casse, on se casse, on se casse. Vraiment se casser s'il vous plaît. Ouais, ça me paraît. Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais. Ce que je dis, on va se précipiter. Samira, la santé était tellement. Voilà. Ils l'ont arrêté, c'est ok. Ouf. Je crois qu'ils jouent tous sous pression. Moi, j'ai pas vraiment de pression dans la game, mais. En mode, cette Irelia, tu vois, elle va être intuable. C'est tout. Et là, par contre, cette Irelia pose problème. Parce qu'elle va être ingérable. Et j'ai peur que Samira, elle y arrive. Voilà, elle a pas le droit, elle a pas le droit, elle. My bad. Ah, faut que je me casse. J'ai chié dans la colle, j'ai chié dans la colle, excusez-moi. Et voilà quoi. Voilà, Jason. Stamitopais par là. Ok. Je vais route, c'est dur.
Sois passif, sois passif, sois passif. Bon, Stamira refait le fight. Moi, je peux rien. Là, dans cette. Ouais, c'est vrai qu'on peut finir la game. On peut la finir la game là. Mais en vrai, la game est tellement dure. Enfin, là, passer ce timing là pour moi sur Diego, bah, je peux pas, tu vois, j'ai des dégâts, mais. Il faut bien comprendre que les dégâts que j'ai sont minimes, quoi. Ok, bon, win. On fait une bonne game, mais le late, c'était trop, c'était super dur. Late game super dur, je trouve, à jouer. C'était dur de trouver les resets, quoi. Et tous. Genre, il y avait des riz excentrés avec un milieu qui l'a cover. T'as. Bah, le milieu, mais bon, la flash, je peux rien faire, tu vois. Zac à son passif. Cassio qui. À sa plaque et tout, c'était dur.